maintenant pour pas en avoir partout. C'est trop beau. Ouais. Là, j'enlève mes chaussettes parce que la maîtresse, elle a dit. Chers amis, nous allons vous présenter une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre a été créée à partir d'un livre que nous avons lu en classe et qui se titule « Pistolet et pouce vert » de Maurice Druon. Ce livre nous a beaucoup plu. Il parle d'un enfant qui a un talent caché et qui s'en sert pour améliorer le monde. Nous espérons que vous allez aimer le spectacle. Merci d'être très silencieux pendant la représentation. A tout à l'heure! Tistou est un nom bizarre que l'on ne trouve dans aucun monde, dans aucun calendrier, ni en France, ni dans d'autres pays. Il n'y a pas de Saint Tistou. Or, il existait un petit garçon que tout le monde appelait Tistou. Cela mérite quelques explications. Un jour, peu après sa naissance, sa marraine et son parrain avaient porté ce petit garçon à l'église pour le faire baptiser. Cher monsieur le curé, cet enfant se prénomme François-Baptiste. Oui, il s'appelle bien François-Baptiste. Eh bien, je te baptise, cher petit François-Baptiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis sa marraine et son parrain l'avaient ramené dans son berceau. Et tout aussitôt, il s'était produit une chose étrange. Les grandes personnes, comme si elles n'avaient plus été capables de former avec leur langue le nom qu'elle lui avait donné, s'était mise à l'appeler Tistou. Viens, joli Tistou. Qu'il est mignon, ce petit Tistou. C'est ainsi que Tistou, dès son plus jeune âge, causa à sa famille quelques surprises. Années ont passé, nous retrouvons Tistou à l'âge de 8 ans. Laissez-moi vous le présenter. Tistou était un très beau petit garçon aux joues roses. Tous les gens qui le voyaient s'écriaient. Oh, le joli petit garçon! Ses parents étaient également très beaux. Le père de Tistou appelait monsieur...
père était bien vêtu et toujours parfumé à l'eau de Cologne. Madame mère était douce et gracieuse. Ses joues étaient comme des pétales de rose et elle répandait autour d'elle un parfum de bouquet. Vraiment, Tistou n'était pas à plaindre. Il habitait dans une magnifique maison à plusieurs étages avec un grand escalier que le valet Carolus astiquait plusieurs fois par jour. Avec cette poudre de mi-invention, j'ai pu briller dans cette maison. C'est pourquoi qu'on l'appelle la maison qui brille. Le valet Carolus avait un léger accent étranger, comme vous l'avez sans doute remarqué. Il y avait aussi Amélie la cuisinière. À la claire fontaine, nous allons promener. Quel plaisir de travailler dans une aussi belle maison et de faire à manger pour mon cher Tistou et ses parents. Les parents de Tistou avaient aussi 9 voitures, 9 chevaux et 9 jockeys pour s'en occuper. Tistou adorait tous ses chevaux, mais son préféré était un poney appelé Gymnastique. Ils étaient à peu près de la même taille et c'étaient les meilleurs amis du monde. Ainsi, Tistou avait tout pour être l'enfant le plus heureux du monde. La ville où Tistou était né s'appelait Mirepoix. Cette ville était connue dans le monde entier pour son camion de usine dont Monsieur Père était le directeur. Cette usine produisait des canons de toutes sortes, des petits, des grands, des longs, des courts, des canons pour train, pour avion. Depuis tout petit, Monsieur Père répétait à son fils. Tistou, mon garçon, c'est un beau commerce que le nôtre. Il y a toujours un pays dans le monde où on peut vendre des canons. Comme moi et mon père avant moi, un jour, toi aussi tu seras marchand de canons. Mange ton potage, Tistou, car il te faut grandir. Un jour, tu seras l'homme le plus important de Mirepoix. D'accord, mère. D'accord, père. Car nul ne doutait que Tistou ne prit la succession de Monsieur Père et de Monsieur Grand-Père avant lui pour diriger l'usine de canons de Mirepoix. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Tistou ignora l'école. C'est Madame Mère qui fit son éducation. Tistou était intelligent et très appliqué. À 8 ans, ses parents décidèrent de l'envoyer étudier dans l'école de Mirepoix. Bonjour Tistou, voici ta place. Nous commençons par une leçon de calcul. Nous répétons le livre 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Mais l'école eut sur Tistou un effet désastreux. Malgré toute sa bonne volonté, il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il n'était pourtant ni fatigué ni paresseux. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir. 4 fois 1, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. Tistou. Oui, maîtresse. Combien font 4 fois 3 25. 0, Tistou. Tu ne sais rien et en plus tu dors en classe. Le premier jour de l'école, Tistou rentra avec les poches pleines de zéros. Le second jour, il s'endormit à nouveau et reçut une punition. Le troisième jour, la maîtresse renvoya Tistou à la maison avec une lettre pour ses parents. Adieu Tistou, et donne ceci à tes parents. Papa, maman, la maîtresse a donné une lettre pour vous. Voyons cela. Monsieur, madame, votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est impossible de le garder. Oh mon Dieu, mais qu'allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une solution. Le souci pesait sur la maison qui brille. Madame Amélie, la cuisinière,
et le valet Carolus se lamentèrent. Pas comme tout le monde, notre tissu. Et qu'est-ce qui me le prouve? Il a deux bras, deux jambes, alors pourquoi n'est-il pas comme tout le monde? Pas comme tout le monde. Tissi, qu'on vient de me le dire, ami? Seul le poney gymnastique demeura étranger à cette agitation et mangeait son foin d'un air tranquille. Mais les parents de Tisto étaient vraiment inquiets. Voilà un enfant qui m'a l'air plus difficile à élever qu'un gamin. S'il s'endort en classe, comment pourra-t-il s'instruire? Il faut tout de même qu'il devienne un homme. Ah, que faire, que faire? C'est simple, j'ai trouvé. Il n'apprend rien à l'école. Eh bien, il n'ira plus à l'école. Nous allons essayer avec lui un nouveau système d'éducation. Il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. La vie, après tout, c'est la meilleure école qu'il soit. On verra bien le résultat. Quelle riche idée! Je propose que sa première leçon soit une leçon de jardin. Notre jardinier Moustache s'en chargera. Le lendemain matin, Tistou était prêt pour sa leçon de jardin. Le vieux jardinier Moustache aimait mieux parler aux plantes qu'aux hommes. Et son jardin était l'un des plus beaux dont on puisse rêver. Bonjour, monsieur Moustache. Ah, te voilà. Eh bien, nous allons voir de quoi tu es capable. Tu vas remplir ces pots avec de la terre, enfoncer tes pouces pour y faire un trou et ranger les pots le long du mur. Ensuite, nous y mettrons les graines. Au travail, moi je m'occupe des roses. Alors, la rosée, toujours aussi coquette? Et toi, ma jolie, comment vas-tu? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voilà, professeur, j'ai presque fini. Viens m'aider à arranger un peu ces roses. Alors, voyons voir ça. Mais, je ne rêve pas. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, monsieur Moustache. En quelques minutes, les pots remplis par Tisto avaient fleuri, sans qu'il y mette aucune graine. Dans chaque pot s'épanouissait de super bégonias rouges. Mais je n'ai pas encore mis les graines, c'est impossible. Effectivement, à moins que... Montre-moi tes pouces, mon garçon. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Tu as les pouces verts. Verts? Moi, je les vois roses, et même plutôt sales, mais en tout cas pas verts. Bien sûr, tu ne peux pas les voir. Les pouces verts sont invisibles. Cela se passe sous la peau. Seul un spécialiste peut les voir. À quoi ça sert, les pouces verts? Ah, c'est un vrai don du ciel. Vois-tu, il y a des graines partout. Sur les maisons, les fenêtres, les murs. La plupart du temps, elles meurent. Mais si un pouce vert se pose sur elles, les fleurs poussent instantanément. Cela m'aurait bien été utile à moi d'avoir les pouces verts. Ah bon? On va encore dire que je ne suis pas comme tout le monde. Le mieux, c'est de n'en parler à personne. Les talents cachés attirent toujours des jalousies. Cela restera un secret entre nous, d'accord? D'accord, monsieur Moustache. Sur le carnet de notes de Tisto, Moustache inscrivit seulement. Ce garçon présente de bonnes dispositions pour le jardinage. La seconde leçon que Tistou prit fut une leçon d'ordre. C'est M. Trounadis, l'homme de confiance de M. Père, qui lui la donna. M. Trounadis surveilla l'usine de canons de M. Père. Tous les matins et tous les soirs, il vérifia que tous les employés étaient bien là. C'était un homme qui aimait l'ordre par-dessus tout. Aujourd'hui, leçon de ville et leçon d'ordre. Tenez-vous droit, Tistou. Une ville se compose de maisons, de rues, de monuments. Selon vous, Tistou, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville? Le jardin des plantes. Non, le plus important dans une ville est ce bâtiment que vous pouvez voir ici. Quelle maison triste, qu'est-ce que c'est? La prison, bien sûr.
Grâce à elle, nous pouvons maintenir l'ordre dans une ville. Pourquoi a-t-on mis tous ces vilains qui campent partout? Pour empêcher les prisonniers de s'évader, voyons. Si cette prison était moins laide, ils auraient peut-être moins envie de s'en aller. Oh, les prisonniers, que font-ils? Dans les prisons, ils sont en récréation. Eh bien, ils n'ont vraiment pas l'air gais. Tistou avait envie de pleurer. De retour à la maison, M. Tronadis écrivit sur le carnet de Tistou. Cet enfant est à surveiller de près. Il se pose trop de questions. La nuit suivante, Tistou fut un affreux cauchemar. Son penaud gymnastique était habillé en prisonnier. Il voulait fuir la prison en sautant par-dessus le mur, mais restait suspendu en l'air, accroché au piquant de la barrière. Tistou se réveilla brusquement. Je suis vraiment très triste pour ces pauvres prisonniers. Que pourrais-je faire pour les rendre moins malheureux? Mais, et si j'essayais mes pouces verts? Il sortit de son lit et se glissa hors de la maison. La lune brillait et semblait aider Tistou à retrouver son chemin. Arrivé à la prison, il posa ses pouces partout où il put. Quand il eut fini, il rentra chez lui sans peine. Chez lui et se rendormit sans peine. Matin, le valet Carolus eut de la peine à le réveiller. Tistou, Tistou, voyons debout, il fait grand soleil. Amélie t'attend pour son petit déjeuner. Bonjour Tistou, sais-tu qu'il s'est passé quelque chose de bien étrange cette nuit à Mirepoix? La prison s'est changée en un château de fleurs, en un palais des merveilles. Ah bon? Sait-on comment cela s'est fait? Non, aucune idée, mais les savants vont bientôt arriver pour élucider ce mystère. La ville entière était au courant de la fabuleuse nouvelle. Pas une fenêtre de la prison qui n'eût reçu sa part de fleurs. Des journalistes et des photographes vinrent du monde entier. Incroyable! As-tu déjà vu autant de fleurs pousser en une nuit? Non, mais cela sera un sacré scoop pour mon journal. On fit aussi venir des savants appelés botanistes. Il y a dû y avoir des conditions atmosphériques particulières, mon cher confrère. Peut-être bien, ou alors ce sont des oiseaux qui ont laissé choir des graines extrêmement fertiles. Mais personne ne trouva la vraie raison de ce miracle. Les prisonniers, eux, se trouvaient fort heureux de cette situation. Depuis que je ne vois plus les barreaux aux fenêtres, je n'ai plus envie de m'évader. Moi, je crois que je vais devenir jardinier. Et moi, je dois sortir dans 2 mois, mais je vais rester un peu plus longtemps pour profiter de cet endroit magnifique. Plus tard, histoire à trouver Moustache. Ah, te voilà, pas mal le coup de la prison. Pas mal du tout. La prochaine fois, pense à mettre aussi de violettes. Cela ajoutera de la gaieté. D'accord, monsieur Moustache. Tistou alla aussi trouver Gymnastique. À lui, il pouvait dire son secret. Tu sais, Gymnastique, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Les fleurs empêchent le mal de passer. Mais les parents de Tistou continuaient à se soucier de son éducation. Je crois qu'il serait bon maintenant de lui montrer ce qu'est la misère. Ensuite, on lui enseignera ce qu'est la maladie pour qu'il prenne bien garde à sa santé.
Tistou retrouva Monsieur Trognadis pour la leçon de misère. Celui-ci le conduisit dans les quartiers les plus pauvres de la ville de Mirepoix. Cette zone d'étudier est une honte! Quel désastre! Mesdames, pourquoi n'avez-vous pas de maison? Parce que nous n'avons pas d'argent. Et pourquoi n'avez-vous pas d'argent? Parce que nous n'avons pas de travail. Et pourquoi n'avez-vous pas de travail? Parce que nous n'avons pas de chance. Alors vous n'avez rien du tout? Non, nous n'avons rien du tout. C'est cela la misère. Tistou, venez ici. Reprenons notre leçon. Que faut-il pour lutter contre la misère? Il faut de l'or. Ah oui, il faut de l'or. Non, il faut de l'ordre, de l'or. Vous êtes sûr qu'il existe votre ordre, Monsieur Trognadis? Moi, je ne crois pas. Si l'ordre existait, il n'y aurait pas de misère. Tistou ne reçut pas une bonne note ce jour-là. Monsieur Trognadis écrivit dans son carnet. Enfant distrait, et qui n'a pas le sens des réalités. Mais Tistou, avant de partir, prit bien soin de poser ses pouces un peu partout, sur les cabanes, les trottoirs et les fenêtres de ce quartier si misérable. Au moins, demain, ils auront des fleurs. Mais le lendemain, vous avez deviné, la zone des taudis était devenue le plus beau quartier de la ville. Une inondation de fleurs recouvrait les maisons délabrées. Et les pauvres, profitant de la situation, purent payer l'entrée à tous les visiteurs qui avaient accouru pour voir cette nouvelle merveille. Entrez, messieurs et dames. Venez voir les fleurs qui grandissent en une seule nuit. Avec l'argent que nous allons gagner, nous pourrons construire de véritables maisons. Et ce fut la fortune. Moustache ne manqua pas de féliciter Tistou. Très fort la transformation des taudis. Mais la prochaine fois, pose le jasmin. Ça grimpe vite et ça sent bon. D'accord, monsieur Moustache. Tistou se rendit à l'hôpital. Il y fut reçu par le docteur Maudiver. Bonjour Tistou. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon de maladie. Nous allons visiter l'hôpital. Voici la salle des pilules. Voici celle des radios et celle des opérations. Ah, nous voilà devant la chambre de la petite fille malade. Je te laisse Tistou. Tu viendras me retrouver tout à l'heure dans mon bureau. Bonjour. Bonjour. Quelle maladie as-tu? Mes jambes ne marchent pas, mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je n'ai nulle part où aller. Moi, j'ai un jardin. Tu as de la chance. Si j'avais un jardin, j'aurais peut-être envie de derrière pour me promener. Tu ne t'ennuies pas trop? Non, ça va. Tistou ne chemait pas. Il posait ses pouces sur le lit de la petite fille malade. Il décida de faire pousser une fleur qui serait différente chaque matin pour que la petite fille se réjouisse enfin de voir un lendemain. Moi, je crois que tu vas guérir. Toi aussi, tu le crois? Oui, je t'assure. Au revoir. Au revoir. Ah, te revoilà, Tistou. Qu'as-tu appris aujourd'hui? J'ai appris que pour guérir, il fallait avoir de l'espoir. Bravo, tu as appris tout ça, la première chose que doit savoir un médecin. Je vais te mettre une très bonne note dans ton carnet. Le lendemain, la petite fille s'était réveillée en plein champ. Elle souriait. Et la fleur qu'avait inventée Tistou, une rose merveilleuse, ne cessait de se transformer. Là, à la tête du lit, le soir même, ses jambes commencèrent à bouger. La vie lui plaisait. Chers amis, nous faisons maintenant une petite pause. Nous nous retrouvons dans un quart d'heure. Merci. Après la décrète. Morgane, qui jouait le rôle de Tistou, a laissé sa place à Robert.
Bien du plaisir pour la suite de cette histoire. Vous pensez peut-être que les grandes personnes commençaient à se douter de quelque chose et que Tistou allait bientôt être découvert. Eh bien non, pas du tout. Suite à ces événements étranges, Monsieur Père convoqua ses conseillers de la ville pour discuter de ce qu'il fallait faire. Ce n'est plus possible, le fort apparaît partout sur ces égards. Notre ville ne sera plus une ville, mais une forêt vierge. Quel désordre! Les gens de la ville vont finir par se moquer de nous. Non, non et non! Messieurs, ne vous affolez pas, réfléchissons. J'ai trouvé, il faut changer le nom de notre ville. Nous allons l'appeler Mirepoix-les-Fleurs. Ainsi, si les fleurs apparaissent à nouveau quelque part, nous aurons l'air d'avoir prévu cet événement. Qu'en pensez-vous? Bravo! Hurra! Hurra! Et c'est ainsi que Mirepoix devint Mirepoix-les-Fleurs. Toute la ville fit une grande fête à cette occasion. Mais Madame Mère se faisait du souci pour son Tistou. Il était souvent rêveur et mélancolique. À quoi penses-tu donc, Tistou? Je pense que le monde pourrait être tellement mieux qu'il n'est. Ce ne sont pas des idées de ton âge. Pour te distraire, nous allons t'emmener au zoo. Mais le zoo de Mirepoix était bien triste aussi. Des lions pesés dormaient devant des écuelles vides et la végétation était bien maigre. Tistou voulut s'approcher de la cage d'un lion. Attention petit, c'est des animaux féroces. D'où viennent-ils? Des très loin, d'Afrique, d'Asie, je ne sais d'où. Est-ce qu'on leur a demandé leur permission avant de les amener ici? Est-ce que tu te demandes de moi? En tout cas, je t'aurais prévenu. Alors Tistou se mit à poser ses pouces devant chaque cage. Des baobabs pour les lions, des lianes pour les singes, des nénuphars pour les crocodiles. Le lendemain, le zoo de Mirepoix était devenu le plus beau du monde et les conseillers municipaux s'en réjouissaient. Depuis quelques jours, on parlait à voix basse à Mirepoix. Les mots crise, tension et guerre étaient sur toutes les lèvres. La guerre, les pauvres gens, cela ne finira donc jamais. Guire, guire, toujours le guire. Tistou décida d'aller trouver Moustache. Monsieur Moustache, que pensez-vous de la guerre? Je suis contre. Pourquoi? Parce qu'une guerre, autrefois, a détruit mon jardin. Une guerre peut faire cela? Elle peut faire bien pire. Amélie, par exemple, a perdu son fils à la guerre. Carolus, lui, a même perdu son pays. Dans une guerre, tout le monde perd quelque chose. Que peut-on faire pour empêcher la guerre? Je ne sais pas, Tistou, je ne sais pas. Puis Tistou décida d'aller à l'usine pour demander conseil à Monsieur Trunadis, qui se trouvait dans son bureau. L'usine était en plein rendement et les ouvriers travaillaient jour et nuit. Bonjour Monsieur Trunadis. Bonjour Tistou. Comme tu le vois, à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, à Mirepoix, nous avons le double de travail. Que viens-tu me demander? Je voudrais savoir où cette guerre a éclaté et pourquoi. Tu vois ce désert? Eh bien c'est là. À droite se trouve la nation des Vasi et à gauche se trouve la nation des Vatan. Les Vasi ont décidé qu'ils voulaient ce désert. Alors les Vatan ont déclaré qu'ils le voulaient aussi. Pourquoi veulent-ils ce désert? Cela ne sert à rien, un désert. Ils veulent posséder ce qui est en dessous. Sous le désert, qu'est-ce qu'il y a? Du pétrole. Ils veulent ce pétrole, car il est indispensable pour faire la guerre. Mais c'est idiot. Je voudrais que les Vasi et les Vatan ne se battent pas. Bien sûr, personne ne veut la guerre. Et pourtant, elle a toujours existé. Est-ce loin, ce désert? Oh oui, de l'autre côté de la terre. Et Monsieur Trunadis fit visiter l'usine à Tistou. Il lui montra les canons, les fusils, les chars, les mitraillettes. Toutes les machines faisaient un bruit terrible.
Les armes devaient être envoyées le lendemain. Pour qui êtes-vous dans cette guerre, monsieur Trunadis? Pour les Vasis. Et mon père? Aussi. Alors ces canons-là sont pour les Vasis? Non, celui-là seulement. L'autre est pour les Vatans. Comment ça, les Vatans? Eh oui, ce sont aussi de bons clients. C'est cela, le commerce. Eh bien, je trouve affreux votre commerce. Quoi donc? J'ai dit que je trouvais affreux votre commerce. Tu auras un double zéro et je vais tout de suite avertir ton père. Laisse-moi travailler maintenant. Monsieur Père, on est très compliqué. Sotisto montre peu de disposition pour devenir un jour patron de l'usine. Bon, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, finissons les emballages. Ce soir-là, Tistou décida de retourner à l'usine pour passer ses pouces partout où il pouvait. Il grimpait sur les caisses, se penchait sur les moteurs des camions, se faufilait entre les canons prêts à être envoyés à la guerre. Monsieur Père le vit, mais il pensa. Ah, brave Tistou, il cherche à rattraper son double zéro. Tout espoir n'est pas perdu, pourvu qu'il ne se fasse pas mal à mettre ainsi ses dos partout. Quelques jours plus tard, tous les journaux de la ville annonçaient une incroyable nouvelle. La guerre entre les Vasis et les Vatans s'était arrêtée net. Sans vainqueur, sans vaincu, sans conférence internationale, sans rien. Regarde, Carolus, les soldats ont tiré des fleurs au lieu de balles. Elisha, c'était inutilisable, car du plan crampon qu'ils avaient complètement recouvert. Et quand les canons ont tiré, ils ont tiré une pluie de pâquerettes. C'est merveilleux, la guerre est arrêtée. Mais qui va dire, monsieur Pierce? Comment est-ce possible? Mes fusils qui fleurissent comme des acacias au printemps, je vais être ruiné. Plus personne ne va nous commander des armes. Ah, que faire, mais que faire? Tisto lui aussi était au courant de la nouvelle. Il alla trouver Moustache. Ah, te voilà. Pour du travail bien fait, c'est du travail bien fait. Je n'aurais jamais cru que tu arriverais à un si bon résultat. Je crois que je n'ai plus rien à t'apprendre. Merci, monsieur Moustache. Puis il alla trouver le poney gymnastique. Gymnastique, c'est merveilleux. Avec des fleurs, j'ai arrêté une guerre. Oui, bravo, Tistou. Pourrais-tu me faire une botte de trèfle blanc? C'est ce que je préfère pour mon petit déjeuner. Eh oui, le poney parlait, mais seulement à Tistou. Mais tu savais que j'avais les pouces verts? Bien sûr, Tistou, je sais beaucoup de choses, tu vois. Rassure-toi, je ne le dirai à personne. Merci, à bientôt, gymnastique. Monsieur Trunadis se trouvait avec Monsieur Père dans le salon. Tous les deux étaient très préoccupés par la situation. Ruine, sabotage, déshonneur, fermeture, chômage, attentat pacifiste. Ah, mes canons, mes beaux canons, si je tenais le misérable qui a fait ça. Ah oui, je le tenais moi aussi. C'est moi qui ai mis de fleurs dans les canons, c'est moi qui ai arrêté la guerre. Ne dis pas de bêtises, Tistou. La prison, c'est moi, les taudis, c'est moi, le zoo, la petite fille malade, c'est moi aussi. Eh oui, j'ai les pouces verts. Qu'est-ce que tu racontes? Les pouces verts? Regardez. Et voilà, vous me croyez maintenant? Suite à ces événements, les conseillers de la ville et M. Père s'étaient réunis en séance extraordinaire. Plus aucun général va nous commander des armes. Autant s'adresser à un fleuriste. Il faut trouver une solution pour notre usine. Et tu sais, nous ne pouvons quand même pas le mettre en prison. Ah non, bien sûr que non. Merci mes amis. Eh oui, j'ai toujours pensé que mon fils prendrait un jour ma succession à la tête de l'usine. Mais ce n'est bien sûr plus possible. Laissez-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Nous allons transformer l'usine de canons en usine de fleurs. Quelle idée géniale! J'ai déjà une idée de slogan pour la publicité. Planter des fleurs qui grandissent en une seule nuit. Ou alors, dites-moi à la guerre, mais dites-la avec les fleurs. Bravo, 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 bravo. Thank you.
C'est ainsi que l'usine de Mirepoix devint une usine de fleurs. Le succès fut immédiat. Tistou ne faisait plus mystère de ses pousses vertes. Maintenant, sur les conseils de Moustache, il inventait de nouvelles fleurs. Et lorsqu'il avait fini, il allait au jardin jouer avec la petite fille guérie. Mais un jour, une triste nouvelle circula dans la maison qui brille. Tistou, tu ne verras plus Moustache. Il est parti pour un long voyage. Mais où est-il parti? Il est sous la terre, Tistou. Il est aussi, il Tistou. Sous la terre, au ciel, on voyage. Je vais demander à Gymnastique. Oui, il est toujours avec nous. Gymnastique, où est Moustache? Moustache est mort, Tistou. Il est mort de vieillesse. Alors, je ne le reverrai plus? Non, tu ne le reverras plus. Pleure, Tistou, pleure les larmes, cela fait du bien. Mais Tistou sécha bientôt ses larmes et mit un peu d'ordre dans ses idées. Au ciel ou sous terre? Il décida de se rendre au plus près. Le lendemain matin, il alla au cimetière sur la tombe de Moustache. Monsieur Moustache, êtes-vous là? Je vais lui faire pousser une fleur magnifique. Pour la voir, il sera obligé de sortir. Mais malgré tous ses efforts, Moustache ne répondit pas. Tistou s'en alla tristement. S'il n'est pas sous terre, c'est donc qu'il est au ciel. Et Tistou se mit à construire son échelle. Il fit d'abord deux arbres qui, en quelques jours, mesuraient déjà plus de 30 mètres. Puis il planta au pied de chaque arbre une pousse de glycine. Celles-ci s'enroulèrent autour des barreaux, autour des troncs et formèrent les barreaux de l'échelle. Ses parents ne s'inquiétaient pas. Ils se disaient. Tistou construit une échelle. Cela va lui changer les idées. Bientôt, on ne vit plus le sommet des arbres. L'échelle mesurait plus de 100 mètres. Si Moustache est là-haut, il profitera de mon échelle pour redescendre. Je suis trop malheureux de ne pas le voir et de ne pas savoir. J'attends encore 3 matins et je saurai ce qu'il me reste à faire. Le 3e matin arriva. Moustache n'était pas redescendu. Tistou se réveilla à l'aube et mit ses pantoufles et descendit dans le jardin. Le poney Gymnastique était déjà là. Toute la nuit, il avait essayé en vain de ranger les pieds de l'arbre de l'échelle. Gymnastique, que fais-tu là? Tu as voulu couper mon échelle? Mais pourquoi? Pour t'empêcher de monter. Allons, il ne faut pas pleurer, Gymnastique. Tu vas réveiller tout le monde. Je ne fais que monter et redescendre. Je devrais être rentrée avant que les parents se lèvent. Oh, je le savais que ça devait arriver. Allons, calme-toi. Je te rapporterai une petite étoile. Admets-toi, Gymnastique. Adieu, Tistou. Et Tistou commença à gravir l'échelle. Il montait, Gymnastique tendait le cou pour encore le voir. Puis il ne le vit plus du tout. Il s'en alla brouter l'herbe du pré, bien qu'il n'eût pas faim du tout. Mais Tistou sur son échelle voyait encore la terre. Tiens, les prairies sont bleues. Tout à coup, il se rendit compte qu'il n'avait plus ses pantoufles. Il n'y avait plus aucun bruit. Il n'y avait même plus d'échelle. Tistou flottait sur un grand nuage blanc. Tiens, on dirait la moustache de Moustache. Ah, te voilà, toi. Moustache! Ai-je disparu à jamais dans ce monde dont même les personnes qui écrivent des histoires ne savent rien? Monsieur Père, Madame Mère, Carolus, Amélie, Monsieur Trounadis et tous ceux qui aimaient Tistou allaient s'inquiéter et s'affoler, me direz-vous. Gymnastique se chargea de les rassurer en leur fournissant l'explication de tant de merveilles.
À peine Tistou hors de vue, le poney s'était mis à brouter d'une curieuse manière, comme s'il désirait faire un dessin. Et lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent ce matin-là, ils virent au milieu de la prairie deux petites pantoufles et cette phrase écrite en belles fleurs dorées. Tistou était un ange. Maintenant, laissez-nous vous présenter les acteurs. Tistou 1, Morgane. Tistou 2, Rodolphe. Les quatre narrateurs, Erdine, Zelda, Jean et Hélène. Monsieur Père Christopher. Madame Mère Bessarta. Carolus Florine. Amélie Katia. La marraine plus un élève plus la journaliste Doua. La maîtresse d'école plus une personne, un savant Jessica. La petite fille malade plus un savant Antigona. Les conseillers, les Ridana, Alisa et Rosa. La présentatrice plus un élève, Lorena. Le parrain, le gardien du zoo, un élève et le deuxième présentateur, Raphaël. La directrice de l'espectacle, Véronique. Par un livre qu'on a commencé à lire, puis on l'a lu jusqu'à la fin, puis après ce livre il nous a plu, puis on a décidé d'en faire un spectacle, puis tout le monde était d'accord, puis après la maîtresse elle a préparé le texte, on a lu le texte, puis on a répété, puis voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que vous sauriez le dire dans cette histoire? Oui, les fleurs qui ont poussé. Tistou, il utilise un peu ses pouces verts pour améliorer le monde et puis c'est bien. Quand Monsieur Srinadis, il commence à crier sur Tistou.
Que le tistou, c'est un ange, ça m'a beaucoup fait. Quelle leçon vous tirez de ce travail magnifique que vous avez fait? Oui. Il ne faut jamais laisser tomber. Est-ce que ça vous a donné envie de faire une autre fois un spectacle? Oui. 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 Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous pourrez en faire un autre? Non. Oui. Ça vous a pris beaucoup de temps quand même, hein? Oui. J'ai donné tous les rôles qui seraient à disposition. Ils devaient s'inscrire en tout cas 4 fois. Et puis après, eh ben, certains j'ai choisi parce que ben, suivant un peu leur capacité à apprendre les textes par cœur, même de ce que je voyais à l'école. Et puis d'autres, j'ai tiré au sort. Donc ils n'avaient pas forcément le rôle qu'ils auraient tous voulu. Enfin, ils auraient tous voulu avoir un peu le rôle principal. Et bien sûr, ce n'est pas possible, quoi. Voilà, donc ça vous a appris aussi ben, qu'il fallait partager, hein, parce que tout le monde ne peut pas faire tout en même temps. Quand on voit le résultat, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est super. Ils ont fait beaucoup de progrès depuis le début.